Thank you.
Kokani. Il mérite la gloire, la louange et l'adoration. Et celui qui mérite même nos acclamations, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus bénisse tout chacun de nous. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de nous. Nous sommes très reconnaissants à l'égard du Seigneur. Parce qu'il nous a permis d'avoir encore de tels moments. De tels moments, le Seigneur ne l'offre pas à tout le monde. Et que maintenant, le colo boyé a pèsé à la main de notre terre. Il offre à ses enfants le temps d'écouter la parole de Dieu, le temps de célébrer un culte à son honneur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On va nous augmenter un peu le son. Nous allons faire la lecture de notre texte. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1. Le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Nous prenons Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, le verset 20. Et 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 9, verset 24, tout en guillemot. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté. Le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Dit l'Éternel. Nous demandons à ceux qui sont assis de se lever, les sœurs. Nous sommes à l'église. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 7. Cependant,
voyez comme ça, c'est pour remplacer par d'autres micros. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles. Ni des chefs de ces siècles. Qui vont être anéantis. Donc on va détruire les chefs des siècles. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avec destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aime. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés. Ces choses par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes? En effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel et l'obéissance. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en parle. Qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous pouvons nous asseoir. Les chants vont nous intoner un cantique de victoire.
À la croix où mourut mon sauveur. Et j'ai prié pour être purifié. Il a les sangs fut appliqué à mon cœur. Là, les sangs fut appliqué dans ma vie. C'est pourquoi je crie gloire à son nom. Je suis si merveilleusement sauvé. Avec douceur, Jésus-Christ est en moi. Et nous allons chanter ces cantiques. Ne nous chantez pas ces cantiques avec trop de rapidité. J'aimerais que tout le monde puisse réaliser les paroles de ces cantiques. Et bien prononcer aussi les mots, les phrases pour que nous sachions ce qu'il en est. Amen. Yeah.
Je suis dans le Dieu qui sort.
Et nous l'avons dit dans le cantique. Nous l'avons dit dans les cantiques que nous venons de chanter. On a dit ça dans les cantiques qu'on vient de chanter. À la croix où mourit mon sauveur. Et là-bas, c'est où il m'a purifié. Et comme il nous a purifié, nous sommes du nombre. Et ceux qui sont lavés par les sangs. Et ceux qui sont vêtus de blanc. On dit que Jean dans les livres d'Apocalypse avait vu ces gens-là. On dit Jean vit ces gens-là. Les gens vêtus de blanc. Et on a chanté aussi qu'il est notre appui dans le tourment. Comme il t'a sauvé. Il ne t'abandonnera jamais. Même dans les tourments, il sera ton appui. Il te donnera toujours la force de supporter jusqu'à ce que tu t'en sortes. C'est comme les trois Hébreux. Les Hébreux. Les trois Hébreux, les amis de Daniel, ils étaient dans la fournaise ardente. Ils étaient sept fois chauffés. Mais il fut secouru par le quatrième. Amen. C'était leur appui dans les tourments. Le Seigneur était leur appui dans le tourment. Et c'est ce que nous venons de chanter. Vraiment. Il ne faut pas dire que tu manques de secours dans ta vie. Même si tu es orphelin. Amen. Le Seigneur est ton appui. Il ne t'abandonnera jamais. Pour que le Seigneur te secoue, cela ne demande pas que tu aies des jambes, non. Il peut te secourir sans que personne ne te vienne en aide. Je le répète toujours. Il peut faire que tu puisses faire un nom là où tu n'étais même pas mentionné. C'est parce que toi tu ne vois que ton présent. Que tu arrives à te décourager. Parce que tu vois ton présent. Mais le Seigneur connaît toute ta vie. C'est lui-même qui proclame les jours de ta vie. C'est lui qui ordonne que le Fils de l'homme puisse rentrer dans la poussière. Ne t'inquiète pas au sujet de ta vie. Non. On dit, tu n'es même pas capable de blanchir un seul cheveu de ta tête. Par les soucis de ta vie, frère. Il peut m'ajouter une coulée à la durée de ta vie. Donc par tes soucis, non. Par tes soucis, tu ne peux pas ajouter une coulée à la durée de ta vie. Non. S'il avait réservé 70 ans pour toi, 70 ans, tu feras 70 ans. Rien ne s'ajoutera par tes soucis. Alors tu n'as pas intérêt de te soucier de la vie. Alors, parfois tu restes toute la nuit en train de penser. Comment tu vas t'en sortir? Ce n'est pas le travail que tu devrais faire. Tu devrais au contraire prendre ce temps-là pour la prière.
Il demanda à Dieu de te faire sortir de cette situation. Et te consoler en te donnant une meilleure position. David disait, David relève ma grandeur. Relève. Et console-moi de nouveau. Ça, c'était sa prière. Cela sous-entend qu'il était dans l'humiliation. C'est pourquoi il prie à Dieu de relever sa grandeur. On dit quand viendra l'humiliation. C'est ça? Et me suivez? La Bible dit quand viendra l'humiliation, tu pleureras. C'est ça? La Bible dit quand viendra l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Amen. Amen. Tu dois prier pour ton relèvement et non te soucier de la vie. On dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Ça ne va t'ajouter que des maladies. Amen. Amen. Ça ne va t'ajouter que des AVC. Maintenant, tu dois te fortifier par la force que le Saint-Esprit donne. Il y avait quelqu'un qui faisait bien son travail quelque part. Mais un jour, on lui avait annoncé que son père était mort. Et depuis ce jour-là, il est devenu foutu. Il ne faisait plus bien son travail jusqu'à même à ce qu'il avait fini sa carrière. Que le Seigneur te donne la force que ça ne t'arrive pas ainsi. Et le Seigneur te donne la tempérance. La maîtrise de soi. Qui est l'un des yeux de la foi. Amen. Amen. Le Seigneur va remédier à ta situation. Même là où tu vois des combats, le Seigneur va te donner la victoire. Parce que tu combats dans la victoire. Tu n'es pas appelé à perdre des combats. Tu peux en tirer des situations difficiles. Mais l'épilogue, la fin de toutes choses, c'est ta victoire. C'est comme ça la foi, frère. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur enlève tous les soucis dans ton cœur. Et que le Seigneur comble aussi tes besoins. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Il ne faut pas être triste. Tu es venu chez celui qui donne des solutions. Si le Seigneur a donné le Saint-Esprit aux gens qui ne faisaient qu'écouter la parole avec attention, à combler plus fort dans un état de n'ira pas toutes choses. Seulement en écoutant la parole. Avant même que tu ne pries. Le Seigneur ne... Avant même que tu ne pries point. Le Seigneur n'est pas un Dieu de système. Ce que nous ne comprenons pas. Tu crois que c'est seulement quand tu vas prier que tu auras des solutions. Mais tu vois seulement en chantant seulement de tout ton cœur que tu as des solutions.
Amen. Amen. En suivant seulement la prédication avec attention, tu as des solutions. C'est pourquoi quand tu viens devant Dieu, il faut être très concentré. Comme nous l'a dit le président du culte. Dans le culte, il y a aussi des combats. Si tu as vaincu le combat de quitter la maison jusqu'ici, cela ne veut pas dire que le combat a pris fin. Non. Ici aussi, il y a les combats. Que tu sois désintéressé de tout ce qu'on fait ici. Chante, toi, tu ne chantes pas. Tu connais la chanson, mais tu ne chantes pas. Tu ne savais pas une sœur. Elle ne chante pas. Elle connaît la chanson, mais elle ne chante pas. Désintéressé de tout ce qu'on fait ici. Les frères ne chantent pas. Pour eux, on fait ça pour les prédicateurs. Non. Dieu voit la disposition de ton cœur. Les gens qui s'approchent avec foi obtiennent aussi les choses selon leur foi. Il y avait d'autres gens dans la Bible. Ils ont pris seulement la décision en eux-mêmes. Et si j'arrive seulement à toucher le vêtement de Jésus. À ce temps-là, ce n'était pas l'interprétation. Cette femme-là avait seulement la décision. Moi, je n'ai pas même besoin qu'il vienne m'imposer les mains. Non. Personne. Ils étaient seulement déterminés dans ce qu'ils pensaient. Et Jésus a révélé que c'était la foi. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, on ne comprend pas certaines choses. La foi, c'est une folie. Quand on se proche de Dieu, laisse-toi aller. Et lève-toi, on va faire la lecture. Lève-toi. Chantons. Écoutons. Dieu regarde toutes ces petites choses-là. Et Dieu va te passer comme ça. Et tu verras comme si tu n'avais rien fait. Alors que tu es venu devant celui qui est redoutable. Nos cultes, frères, sont des cultes redoutables. Même si vous êtes un petit nombre. Vous êtes un petit nombre. Mais vous êtes redoutable. Parce que vous êtes réunis au devant du Seigneur le Tout-Puissant. C'est pourquoi il faut considérer le culte. Amen. Ah. On était en train de parler sur les six dieux de la foi. Parfois nous traînons comme ça parce que tu ne te fais pas voir au cours de la semaine. Tu ne viens pas au cours de la semaine. On parlait déjà de la vertu. Et maintenant nous parlons de la science. La connaissance que tu dois ajouter à la foi. Parce que si tu n'es là pas, tu es aussi aveugle. Amen. Amen. J'avais dit ceci. Quand Pierre dit, faites de tous vos efforts à joindre dans votre foi la vertu. La vertu, la connaissance ou la science. Il ne parlait pas de la science qu'on dispense aux universités du monde. Je dis, Pierre ne parlait pas de cette science-là. Il
ne parlait pas non plus des études théologiques. J'avais dit parce que lui-même, Pierre, il n'avait pas fait la théologie. Alors, un terme, il n'était pas pharisien. Il n'était pas sadducéen. On avait traité d'un homme de peuple sans instruction. On l'avait traité comme ça. Et d'ailleurs, vous le connaissez, il était pêcheur. Mais quand il parle d'ajouter la science, ou la connaissance, il parlait de la connaissance que le Saint-Esprit donne. Il ne parlait pas de la connaissance qu'on acquiert aux universités. Non. C'est pourquoi quand Jésus prêchait, les gens s'étaient étonnés. Ils ont dit, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Les études dont il était question là, c'était des études des pharisiens, des sadducéens. Pour eux en Israël, on parlait des écritures avec précision comme Jésus le faisait. Il fallait être de ces camps là. Mais quand ils ont remarqué que Jésus n'était pas de ces camps-là, ils se sont étonnés. Mais comment lui il connaît les Écritures? Il n'a pas étudié. Mais il n'a pas étudié. C'est pourquoi on a dit connaître les Écritures est différent de étudier. Parce que connaître les Écritures, c'est la grâce de Dieu. Et étudier, c'est une autre chose. Tu peux faire la théologie, mais tu ne connais pas les Écritures. Connaître les Écritures, ce n'est pas seulement les Écritures écrites noir sur blanc, non. Mais connaître les Écritures, l'explication. J'avais parlé d'une chose ici le vendredi. Lorsque les Sadducéens voulaient éprouver la doctrine de Jésus, ils lui ont proposé l'exemple d'une femme qui avait 7 frères. Comme 7 époux. Ils ont dit qu'il y avait un frère. Non, il y avait une sœur, une femme. Qui avait son mari. Et il est mort sans laisser des enfants. Et selon la loi, le frère du défunt doit prendre la femme. Pour susciter un nom à son frère en Israël. Tombola, afin que son nom ne s'éteigne point. Amen. 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 Il a fait ça. Il est arrivé que cette femme a pris 7 frères. Dans le sens qu'aucun d'entre eux ne lui a donné de fils. Alors ils ont posé à Jésus la question. À la résurrection. À la résurrection du mort. Comme toi tu prêches la résurrection du mort. Nous les pharisiens, nous les sadducéens, nous ne confessons pas la résurrection du mort. Nous ne confessons pas non plus qu'il y a des anges. Ni les esprits. Maintenant à la résurrection des morts que toi tu prêches. Alors la femme sera pour qui?
Parce que tous les sept frères ont été ses maris. Jésus leur a répondu. Vous ne comprenez? Non, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. J'avais répondu à cette question-là. Vous allez écouter d'autres disent que la comprendre les Écritures. Là, c'est l'écriture noire sur blanc. On a déjà dit comprendre les Écritures. Quand on comprend les Écritures, c'est qu'il y a l'explication aussi dedans. Pour la puissance de Dieu, c'est ça l'explication. Donc, il y avait une question qui lui était posée. Maintenant, Jésus veut élucider que si vous aviez compris la puissance de Dieu, et les Écritures, vous ne m'aurez pas posé cette question. Maintenant, il a expliqué. Quant à la puissance, il a dit à la résurrection, les hommes seront comme des anges dans le ciel. Ça, c'est la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui fera que nous soyons transformés. C'est ce que Paul dit ici dans Philippiens chapitre 3. L'évangile, je n'avais pas donné l'écriture. Je sais là où je suis en train de partir. Nous sommes déjà dans notre enseignement. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand la cité qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Maintenant, écoutez la puissance de Dieu. Par le pouvoir qu'il a désassujetti toutes choses. Dans la puissance de Dieu peut assujettir notre corps afin que nous portions le corps de gloire. Mais les pharisiens, les sadducéens ne connaissaient pas ça. C'est pourquoi ils gardaient encore leur doctrine. Et par rapport à la connaissance des Écritures, Jésus leur a répondu. Il est écrit. Je suis le Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Dieu est-il le Dieu de mort ou de vivant? Pour leur dire que si vous connaissiez ça, ou si vous aviez compris cette écriture-là, vous ne seriez pas dans l'erreur. C'est une grâce de Dieu. Et la science dont on nous parle est ajoutée. C'est la connaissance de la parole. Tu dois aimer que la parole de Dieu habite à toi abondamment. Même si tu es une sœur, même si tu es une maman, tu ne dois pas dire que cet enseignement-là, c'est pour seulement les frères. Ce n'est pas pour les mamans. Non, nous, on s'arrête. Aussi longtemps que Dieu te donne le temps d'écouter la parole, il veut que tu puisses ajouter la science, la connaissance dans ta vie. C'est par la connaissance que tu seras affermi. Et
J'avais donné l'écriture aussi de Proverbes chapitre 2. Et j'avais dit qu'aujourd'hui on va parler sur la bouche de Dieu qui donne la connaissance. En peu de temps. Le verset 3. Le Proverbe chapitre 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Oui. Si tu appelles la sagesse. Et si tu élèves ta voix vers l'intérieur. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pourquoi? Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. J'avais dit ici, on nous dit de chercher la connaissance, la sagesse, l'intelligence comme un trésor. Nous devons poursuivre ça comme on cherche l'argent. Il y a des gens aussi. Je les répète pour que ça soit ancré en toi. J'ai dit, il y a des gens qui avaient aussi commencé comme des frères et qui confessaient qu'ils sont dans la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, ils sont dans autre chose. Les autres sont devenus des politiciens. Les autres sont devenus des présidents des équipes de football. Amen. Les autres ont transformé leur église en parti politique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait cet exercice de l'écriture. Quoi? Nini? Poursuivre la connaissance comme un trésor. Pour comprendre la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, elle est aussi évolutive. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu comprends Dieu d'abord par rapport à ce que tu as. Mais après ce cas, Dieu voudra que tu ne le comprennes plus comme tu le comprends maintenant. Tu dois évoluer. Alors pour y parvenir, tu dois rechercher la connaissance. Amen. Amen. Un frère de l'église. Un prédicateur ne néglige pas la connaissance. Non. Oh non, la connaissance c'est quoi? C'est quoi la connaissance? Vous avez beaucoup de connaissances, vous êtes toujours dans la vie du péché. Non frère, la vraie connaissance ne donne pas la vie du péché. Parce qu'on a dit, quand tu recherches la connaissance, tu vas comprendre la crainte de Dieu. Si tu vois quelqu'un, il a la connaissance, mais il demeure toujours orgueilleux. Il faut remettre en cause sa connaissance. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a la connaissance, vous prêchez la parole de Dieu. Mais à la fin de l'année,
même ce que vous leur prêchez. Du coup, c'est même beauté à ma cambo, puis le beauté à mango. Amen. Ah. Parce que la vraie connaissance ne donne pas la vie du péché, frère. Et que vous voyez bien la sœur, et puis ça va pas moyen de soumettre. On est fatigué. Ton ennemi. Tu dis toujours d'entendre, toujours non, les frères. Orgueilleux. Ils ne sont pas humbles. Ah non, la vraie connaissance donne l'humilité. Amen. Ah. C'est pourquoi tu dois désirer la connaissance. Et dans la connaissance, il y a les saluts. C'est ça l'écriture des 1 Corinthiens 2 qu'on vient de lire. C'est quelque chose que Dieu n'a pas donné à tout le monde. Dieu l'avait prédestiné pour les gens qui l'aiment. Qu'on fasse d'abord la lecture de cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Amen. Amen. Donc, tel que toi tu es là, tu es parfait. Tel que tu es là, tu es une sœur parfaite. Mais nous te prêchons encore cette sagesse. Tu es parfait par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, par une seule offrande, il a amené tout le Fils de Dieu à la perfection. Maintenant, ce que nous faisons ici, c'est le travail pour te rendre semblable à ce que tu es là-bas dans les cieux. Amen. Parce que toi qui es là-bas dans les cieux, tu es une personne parfaite. Mais ici sur la terre, c'est la carrière. Et toi tu es comme la pierre. Sur toi doit passer les ciseaux. Non, sur toi. Doit passer les ciseaux. Sur toi, on doit écouter les cris ou les bruits des instruments. Et c'est là que Dieu te perfectionne. Amen. Ah. Mais tu es parfait en Jésus-Christ. Et nous te prêchons cette sagesse. La cette sagesse n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Non, ni des chefs. Qui vont être anéantis. Les chefs de ce siècle vont être anéantis. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Donc pour éviter la gloire, tu dois acquérir la sagesse, la science, la connaissance de la parole, la révélation de Jésus-Christ. Ça doit être à toi en abondance. Sans cela, tu ne vas pas éviter la gloire. C'est ce qu'on a écrit ici. Le Seigneur l'avait destiné pour notre gloire. On dit sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce sont ces écritures ici qui nous attestent que aucun chef de ce siècle n'héritera le royaume. Et faut pas te tromper, frère. Aucun président de la République n'atterrit au ciel. Les gens qui font des combats politiques, ils n'ont pas de place dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas te distraire.
Amen. Surtout à cette année électorale. On voit un frère dans les marches. On dit marche. Ils sont là-bas. Non, marche pacifique. Pour protester. Non, ce n'est pas ta part, frère. Ta part, c'est la parole de Dieu. Les chefs de ces siècles vont être anéantis. Et ils ne connaissent pas non plus la sagesse de Dieu. Amen. On dit s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je vois les gens sont en train de douter. Aucun chef de ces siècles n'héritera le royaume. Mais c'est ça l'écriture. Jésus lui-même a dit. Satan lui a dit ceci. Allons-moi. Je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et lève-moi. Si tu m'adores, je te donnerai les États-Unis. Je te donnerai le Congo. Et la gloire qu'il y a au Congo. C'est ce que Satan a dit. Et cela m'a été donné. Et Jésus n'a pas dit que non, cela n'a pas été donné. Non. Il savait que cela lui était donné. Si tu veux la gloire du monde, prosterne-toi devant moi seulement. Non, ne te distrais pas quand tu vois, on organise quelque chose au stade des martyrs. Rassemblement des pasteurs, ils vont prier pour les Congo. Ça, c'est la coopération, frère. À la fin, on va leur distribuer quelque chose. Si on ne leur distribue pas, ils vont chémir. Les serviteurs du ventre. Amen. Amen. Parce que nous, on n'est pas comme tout le monde. Hein? Non, regarde les Écritures. Tous les gens là que vous voyez là, je n'exclus pas que le Seigneur bénit. Je n'exclus pas. Mais les gens que vous voyez, la plupart qui sont dans le monde là, les joueurs, les musiciens et tout cela, ils se sont prosternés devant les diables. Ça, c'est l'écriture, frère. Adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Tu ne peux pas t'échapper, frère. Tu ne peux pas te distraire. Amen. Nous évoluons. Le verset 9. On dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. On dit que c'est l'Esprit qui nous révèle ces choses. C'est pourquoi je dis cette science-là ne se prêche pas à l'université. C'est la science qui se prêche par les ministères de la parole. C'est ça même la bouche de Dieu. C'est la bouche où sort la connaissance. La bouche qui donne l'intelligence au saint. Frère, là où il n'y a pas les ministères de la parole, les gens sont dans l'ignorance. Les gens ne verront pas Dieu. C'est pourquoi nous disons, les gens peuvent se rassembler tel que vous êtes là. Mais s'il n'y a pas un prédicateur venant de Dieu, vous n'êtes pas une église. Amen. Parce que c'est le ministère qui donne la connaissance. C'est le Saint-Esprit qui est dans les ministères.
devez constater. Non, vous devez constater. À chaque fois qu'un prédicateur passe devant vous, il vous édifie. Il vous élève dans la connaissance de Dieu. Il ne vous pas supporter un plaisantin devant vous. Non, ne supportez pas. Un prédicateur qui passe devant vous, il commence à faire des blagues, frère. Il n'est pas quelqu'un à supporter. Amen. Vous devez constater. Non, vous devez constater. À chaque fois qu'il passe, il vous édifie. Il vous parle des choses de Dieu avec les Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont prédicateurs mais ils ne prêchent pas les Écritures. Comme les prédicateurs que vous enviez mettez dans les statuts, que vous mettez dans vos statuts des réseaux sociaux, ils ne prêchent pas les Écritures. Moi j'ai déjà pris le temps de les suivre. J'ai dit bon, qu'on arrête un peu avec la rigueur, que je les suive d'abord. Du théâtre vert. Il pense qu'avoir l'art oratoire, c'est tout. C'est ça l'évangile. Non, l'art oratoire, Toloba. C'est ça l'évangile. Non, c'est pas ça. L'évangile, c'est expliquer la loi, les psaumes et les prophètes. Il y a les discours et les discours. Quand un politicien se tient devant toi, il va tenir un discours politique. Vous sentirez vraiment que ce discours est politique. Nous allons faire ça, on va arranger ça, on va arranger ça. Là, c'est un discours politique. C'est différent avec les discours de l'évangile. Amen. Il y a aussi des motivations, des simples motivations. Ça, c'est tout le monde qui le fait. Même aux États-Unis, dans les pays développés, il y a des influenceurs, des motivateurs. Amen. Mais le discours de l'évangile est différent. La Bible dit Jésus. Parce qu'il voulait leur expliquer qui est Jésus. On dit qu'il a parcouru la Bible. On dit commença par Moïse. Et par tous les prophètes. Et leur expliqua ce qui les concernait. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile. C'est une démarche, frère. Tu ouvres les écritures et puis tu expliques les choses. Alors les gens auront la vie de Dieu. Les gens seront sauvés. Les gens auront la connaissance de Dieu. C'est comme Pierre. Au jour de la Pentecôte. Il voulait prêcher. Il a ouvert les livres de Joël. Pour leur montrer ce qui se passe là-bas à la chambre. On a pas envers comme ça pour le plaisir de parler. Il a ouvert les livres de Joël. Il dit ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas du vin doux. Non. Ce n'est pas du vin doux. C'est ce qui avait été dit là-bas dans les livres du prophète Joël. Il a montré noir sur blanc avec
comme ça qu'on prêche la parole de Dieu. Et tu ne peux pas supporter un plaisanteur, frère. Et ça m'a fait mal. Et ça quand je vois les statues de bien-aimés, ils ne mettent plus un pasteur de plaisanteur, de prophète de plaisanteur. Je me dis, mais comment ils arrivent à supporter de telles personnes?